Solidarité. Le combat des chauffeurs de taxi contre le service de covoiturage Uber est loin d'être terminé à Montréal. Le regroupement qui représente 4000 chauffeurs et propriétaires de taxi a déposé ce matin une demande d'injonction permanente pour rendre illégal ce service de transport dans toute la province. Montréal est donc à l'avant-plan de ces villes qui font barrage à Uber. Frédéric, donc une situation assez explosive ici, mais ailleurs au Canada, Uber fait quand même une certaine acceptation. On pense à Edmonton qui a légalisé ce service. Oui, donc une première canadienne, Edmonton, qui a décidé d'encadrer avec une législation bien précise le phénomène Uber. Et donc, qu'est-ce qu'elle impose, la ville d'Edmonton, à Uber et aux autres services similaires? Eh bien, c'est d'abord un permis d'exploitation de 70 000 $ par an, des assurances pour tous les conducteurs qui font partie d'Uber, un prix plancher, donc un prix minimum de 3,25 $, et une taxe de 6 cents par utilisateur. Et ça, c'est attendu avec beaucoup d'impatience par d'autres villes qui songent également à emboîter le pas à cette légalisation. C'est le cas notamment de Toronto. On sait que John Tory, le maire de Toronto, s'est toujours montré assez enclin à autoriser ce genre de service-là. Et puis Calgary, qui a banni par injonction le service Uber en novembre dernier, pense maintenant dans les prochaines semaines à mettre sur la table une législation pour encadrer cela. Je suppose que tout le monde observe ce qui se passe donc à Edmonton. C'est une entreprise américaine qui est basée à San Francisco. On imagine qu'aux États-Unis, il y a plus d'acceptabilité sociale de ce service de covoiturage. Et c'est le moins que l'on puisse dire, Céline. En fait, quand on regarde le nombre d'États qui autorisent déjà Uber, en fait, on arrive maintenant à 27 États, dont la Caroline du Nord, le Maine, le Colorado, le Nevada. Dans les municipalités maintenant, eh bien, c'est presque une cinquantaine. Chicago, Détroit, Orlando et Washington ont dit oui à Uber. Donc, on a décidé d'aller plus loin. Et en fait, ce n'est qu'un début parce que, par exemple, à Seattle, il y a quelques semaines, en fait, on a même octroyé le droit de syndicalisation pour les chauffeurs qui travaillent pour Uber, même si ce ne sont finalement que des indépendants. Donc, c'est un pas déjà en avant. Et puis, en Californie, il y a un important recours collectif pour donner à ces chauffeurs-là le statut de salarié. Évidemment, il y a une grande bataille devant les tribunaux qui s'organisent parce qu'Uber ne veut rien savoir de ça. Sinon, ça veut dire que ses coûts d'opération iraient beaucoup plus haut. Mais on voit que ça avance quand même sur l'encadrement. Plus avancé qu'ici. C'est évidemment la cible principale des chauffeurs de taxi dans des villes comme Montréal. Et la question, c'est est-ce que ce service est là pour rester ici? Bien, ce n'est qu'un début. En fait, quand on regarde ce qui se passe, par exemple, justement aux États-Unis, on a General Motors qui vient d'investir 700 millions de $ dans la principale concurrente d'Uber. Ça s'appelle Lyft. Et l'idée, c'est qu'on veut utiliser la base de données de Lyft, de covoiturage, pour essayer de pousser le plus possible le projet de voiture autonome, c'est-à-dire les voitures sans conducteur. Imaginez-vous donc. Et puis, on apprenait récemment que Facebook a déposé un brevet pour essayer, en fait, de mettre en contact beaucoup de gens pour faire du covoiturage. Et rien ne les empêcherait d'aller plus loin pour devenir le concurrent, méga concurrent d'Uber, avec une base de données d'1,4 milliard d'utilisateurs potentiels. Ouais, c'est énorme. Beaucoup d'utilisateurs potentiels. Merci, Frédéric. Je t'en prie.